Bienvenue pour ce nouvel unboxing de cartes Pokémon. Bon, c'est AliExpress. Je sais plus c'est quoi à l'intérieur. Je vais aller vérifier maintenant. Ça va être vite fait. Je crois que c'est des cartes VMAX Pokémon. Bon, elles sont en édition noire. Je les ai achetées 5,26 sur AliExpress exactement. Donc, on va unboxer ça. Si j'arrive à ouvrir. Déjà. On mange plus des yeps, c'est incroyable. Ok. Ah ouais, du coup, le truc, c'est une boîte de savon. Quoi. Ok, j'ai capté le bail. Ouais, ah oui, d'accord, c'est pour ça. En fait, c'est espèce de plastique de merde, là. Ça glisse. Bon. Du coup, ça part de là. Ça part de là. J'ai des cheveux et tout. What the fuck is that, man? What the fuck is that? Du coup, ok, rien de plus dans la boîte, des cartes Renoir. Est-ce qu'elles sont, elles sont brillantes, je sais pas si ça se voit bien, à mon avis ça se voit bien. Bon, c'est la première fois que je teste cette façon de record, de faire un unboxing, on verra bien. Du coup, est-ce qu'on les voit bien les écrans? Oh, on les voit bien, ça va. Alors, jeter splash. Team Tag Bet-Nerd et Kana Accessim. C'est des vrais Pokémon ça? Team Tag. C'est des JX noirs. Ah, il y a plusieurs cartes dedans, ok. Pikachu noir. Enfin, Pikachu en V. VMAX, je crois, c'est ça, non? Oh, les cartes, c'est vraiment du plastique. Hein. Chargeur, il n'y a pas de. Il n'y a pas de dégâts, ok. Miaus. Jour de paix, ok. Angoliath, je connais pas. Moumouflon, connais pas non plus. Laine douce. Pyrobut, connais pas. Je connais vraiment pas ces Pokémon pour le coup. Watapic, je connais pas. Ah, il y a marqué VMAX, c'est juste une V, ok. Miaus, VMAX, ok. Zarud, je ne connais pas. Rashiradia. J'aime pas ce que ça ressemble à quoi. Ouais, ok, je sais pas. La place, ok. Garde-voix. Oh, ça date ça. Ça, quand j'étais petit, il y avait ça déjà. Exagide. Nigosier. Bon, elle est carte à glisse, c'est une dinguerie. Dolman. Ok, je connais pas. Il y a plein de Pokémon que je découvre. Hein. Zacian. Cizayox. Ça, c'est l'été déjà. Faramp, ça je l'avais aussi, enfin je connaissais. Nostanfer, Angoliath, je connais pas, c'est l'évolution je crois. Evoli, j'ai les Evoli quand je les avais tous, c'était trop stylé frère. Corbeau-tête, ok. Cizayox, ok c'est notre carte. Loclas, Drascor, Florizarre, Astronel, Limonde, ok. C'est Piatros, ok. Drascor, Scolensandre. Mais c'est quoi les Pokémon? Mais les Pokémon, ils ont plus de. Ils sont pas si jolis que les anciens. Pikachu, j'ai déjà eu ça, ils m'ont niqué là. Ibu et Kabibet, ok. Stelix, oh je l'aimais bien lui, frère. Quand j'étais petit. Les gosiers, mais j'ai déjà eu. Mais ça, je l'ai déjà eu aussi. Lucanon. Torgamor. Tracofeu. Ok. Voilà, la carte, c'est vraiment. Elle est pas belle. En fait, ça se voit que c'est une belle carte quand tu l'as en vrai, je crois. Mais là, elle est vraiment pas belle pour le coup. Ostenfer. Rhinastock. Exagide. Scolosandre. Déjà eu. Super lapin à oreilles longues et fat tink. Ok. Sepiatros. Wabouf. Putain, il est là, lui. Rocket, là. Dracofeu encore. What the fuck. Flambusard. Roncrigou. Gorithmique. C'est quoi, ça? Il est stylé, lui.
Charmy. Ok. Pikachu. Ronflex. Putain. Urshifu. Rapid Strike. Urshifu. Celui-là. Ok. Bon. Bon, voilà les cartes pour le boxing. Ça allait vite. Je sais pas c'est quoi les meilleures cartes. Je mettrai celle-là. Ça. Je vais mettre le top des cartes, je pense. Putain, les cartes, elles sont vraiment de qualité de merde. Hein. C'est fou. Comme bah, c'est du plastique. Enfin. Oh, on dirait du plastique. C'est un peu mal fait. Bon, c'est pas censé être des vrais non plus. Mais... Ah, c'est pas la même carte, du coup. Ok, ils ont juste mis multicolore, ok. Je crois que c'est une. Putain, elle est tellement. Ça prouve bien que c'est du plastoc parce qu'elles font que de glisser des mains, c'est horrible. La sensation dans la main, c'est pas fou. Je crois que c'est des cartes, tu les mets dans l'eau. Je te jure que je crois qu'elles gonflent pas. Tes cartes sont encore bonnes. La top, je pense, en top, je mettrais Florizarre, qui est une belle carte. Je mettrais celle-là. Elle a l'air d'être incroyable en vraie carte. Je mettrais Stélix. Après, Dracaufeu. Hop. Hop. Ronflex, j'aime bien celle-là de Ronflex. Evoli. Mettre les deux Pikachu par principe. Ah, quoique. Ah, celle-là, elle est mieux. Je mettrai celle-là. Et celle-ci en bonus. Voilà. En gros, c'est ça. Les plus belles cartes que j'ai, bon, que j'ai acheté, bon, c'est 5,26 sur AliExpress. Mais en vrai, honnêtement, les cartes sont pas très belles. Enfin, elles sont belles sans lettres. Je sais pas comment l'expliquer tout ça. Je sais pas si vous le voyez bien. Peut-être avec le flash. Peut-être un peu plus de détails. Non, pas forcément. Elles ont pas forcément de détails. Elles sont pas brillantes. Enfin, elles sont. C'est juste les lettres qui brillent un peu. Carte plastifiée. Tu vois. C'est carrément du plastique. L'arrière, bon, normal. Bon, en vrai, pour faire de la collection, ça peut être cool. Mais bon, après, t'as pas beaucoup de cartes. T'as plein de cartes différentes. Donc. Donc voilà. Bon, bah, c'est juste un unboxing pour vous montrer en fait. Les petites cartes. Un mélange de VMAX, de je sais pas quoi là. En noir. Je les ai aussi en doré, en argenté. Sur AliExpress. Donc voilà. Ciao.